et bienvenue pour ce nouveau temps calme ensemble. Il y a des choses, des événements sur lesquels on peut agir pour aller mieux, comme par exemple notre alimentation en choisissant des aliments de qualité, notre hydratation pour boire suffisamment d'eau et drainer notre organisme. Et puis il y a toutes ces choses pour lesquelles on se sent souvent impuissant. Les épreuves que la vie peut nous faire traverser et pour lesquelles on se sent complètement démuni. Alors, si on ne peut pas changer ces choses-là, on peut au moins essayer de changer notre regard sur ces événements, sur ces choses. On a ce pouvoir de changer notre regard et c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec cette séance. Pour apprendre justement à se laisser porter sereinement par la vie. Et avant de démarrer la séance de sophro-méditation, je vous invite à pratiquer un petit exercice de respiration en mouvement avec moi. Alors, pour se mettre en condition, se mettre à l'aise. Et pour ça, on va se mettre en position debout. Donc, on va prendre le temps de s'installer tranquillement en position debout. Un petit exercice tout simple. Les pieds écartés largeur du bassin, le dos droit, tranquille. On s'installe dans cette position debout. La colonne étirée mais sans tension. Les genoux légèrement fléchis pour laisser le bas du dos se détendre. Et on laisse la respiration aller et venir naturellement, tranquillement. À son rythme. Et sur la prochaine inspiration, on va ensemble lever les bras en inspirant et en gonflant le ventre. On lève les bras jusqu'au ventre. Puis expire. On relâche les bras. On redescend tranquillement le temps d'expirer. Inspire. À nouveau, on lève les bras. Cette fois-ci, on monte jusqu'aux épaules. On remplit le ventre jusqu'aux côtes, puis expire, on redescend les bras, on vide l'espace des côtes, le ventre tranquillement. Troisième inspiration, cette fois-ci on monte les bras jusqu'au-dessus de la tête et on remplit le ventre, les côtes et tout le thorax jusqu'aux épaules. Complètement rempli, cette fois-ci on ne baisse pas les bras, on garde les bras à côté des oreilles et en expirant on va enrouler les cervicales. On s'arrête aux cervicales, puis en inspirant on revient, on déroule les cervicales tranquillement. Expire à nouveau, on enroule les cervicales jusqu'aux vertèbres dorsales. On ne force rien. À nouveau, inspire. Cette fois-ci, on déroule les dorsales, les cervicales en inspirant. Et enfin, expire, on enroule les cervicales, les dorsales et les lombaires. On descend, on va jusqu'où on peut. Si on veut s'arrêter là, on s'arrête là. Si on veut aller plus bas, on descend sans forcer. Et à nouveau, on inspire en déroulant les vertèbres, toujours les bras au niveau des oreilles. En inspirant et en remplissant nos trois volumes respiratoires. Et cette fois-ci, expire, on vide les trois volumes l'un après l'autre, depuis les épaules jusqu'au ventre. Voilà.
Voilà, juste pour ce petit exercice, pour avoir repris conscience de nos trois volumes respiratoires et se détendre en même temps un petit peu. Donc, je vous invite maintenant à choisir une position confortable pour vous, que ce soit une position assise ou position allongée, ce qui sera le plus confortable pour la suite de notre séance. Alors, je vous laisse quelques instants pour vous installer tranquillement. À présent que vous êtes confortablement installé dans la position que vous avez choisie, prenez quelques instants pour laisser votre souffle aller, venir naturellement, spontanément. Sentez son va-et-vient. Sentez ce mouvement léger de l'air dans vos narines, votre nez. Peut-être pendant la séance, votre cerveau gauche, la partie liée au mental, peut ne pas écouter les mots prononcés. Mais votre cerveau droit, la partie liée au cœur, lui entend tout ce que je dis. Alors, si vous avez l'impression de perdre le fil, ce n'est pas grave. Pendant que votre mental peut voyager, votre subconscient enregistre ce qui est dit à un niveau très profond. Votre respiration tranquille. Suivez toujours le va-et-vient de l'air dans vos narines. Sentez ce mouvement léger de l'air jusque sur les parties de peau découvertes de votre corps, votre visage, vos mains. Comme un léger courant d'air tiède. Agréable. Et dans ce léger courant d'air tiède, vous pouvez laisser votre corps se déposer un peu plus en relâchant un peu plus chaque partie de votre corps, depuis votre tête jusque vos pieds, à votre rythme tranquille. Votre corps relaxé plus profondément dans ce léger courant d'air tiède. Vous allez à présent imaginer une plume. Laissez l'image de cette plume venir à vous.
Laissez-la s'installer sur votre écran mental. Puis imaginez cette plume portée par ce léger courant d'air tiède. Voyez-la flotter dans l'air. Suivez ses mouvements du regard. Et imaginez la sensation de légèreté de cette plume. Imaginez ce qu'elle peut ressentir. Trouvez cette sensation de légèreté en vous. Jusqu'à devenir cette plume. Légère, aérienne. Elle virevolte au gré des courants, du souffle, du vent peut-être. Du souffle de votre respiration, un peu plus haut, un peu plus bas. Elle se laisse porter en toute confiance. Sans rien attendre, sans rien chercher, elle danse sur le courant de la vie. Rien ne la contraint. Rien ne l'arrête. Aucun obstacle. Elle est libre. Libre comme l'air qui l'anime. Délicatement, la plume se pose dans un souffle léger. Prenant le temps de regarder autour d'elle, la nature peut-être. La vie qui passe. Sans rien chercher, elle observe. Juste posée ici, maintenant. Sans attache, sans envie ni besoin, elle est juste elle-même. Elle est là, là où le vent
libre de reprendre son envol aussi. Libre de choisir sa vie sans effort. Libre d'aller et venir en suivant le courant de sa vie. Libre de bouger, d'aller dans telle ou telle direction. Elle s'ajuste en permanence au courant de la vie, trouve son équilibre. Elle oscille au rythme du souffle du vent. Elle décide juste d'être dans le mouvement de la vie, sans résistance. Elle reste réceptive. Elle va là où elle est appelée à aller. Et vous êtes comme elle. Comme elle, vous êtes libre de vous laisser porter par le courant de votre vie. En toute confiance. Sans contrainte. Alors vous vous laissez porter au rythme des événements avec sérénité. Vous les dépassez sans résistance, sans effort. Et plus vous vous laissez porter, plus vous lâchez prise, plus c'est agréable. Léger. Savourez ces sensations de bien-être. De légèreté. Et laissez-vous porter quelques instants dans le silence.
vous remplissez de toutes ces sensations agréables, de légèreté, de fluidité. De lâcher prise et de confiance. Alors, rempli de toutes ces sensations positives, vous voilà prêt à reprendre votre envol, à retrouver le courant de votre vie. Acceptant les choses comme elles sont, les événements comme ils se présentent, avec confiance, ici et maintenant. Doucement, vous retrouvez le rythme de votre respiration, la conscience de votre respiration, fluide, tranquille. Approfondissez quelques instants vos expirations. Comme souffler sur votre plume pour la faire monter avec votre souffle un peu plus haut. Sur une expire plus profonde encore, faites-la monter encore un peu plus haut. De plus en plus haut jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Alors vous retrouvez tranquillement la conscience de votre présence. Présence dans la pièce, conscience de tous les petits points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous reposez, depuis vos pieds jusque votre tête. Vous pouvez retrouver votre tonicité musculaire pour remuer délicatement vos doigts, vos orteils. Commencez doucement à étirer vos jambes, vos bras. Étirez l'ensemble de votre corps. Peut-être même bâillez si vous en éprouvez le besoin.
doucement, tranquillement, rouvrir les yeux en prenant le temps de regarder autour de vous, retrouver votre décor, les couleurs, les formes. Commencez à vous rasseoir si vous étiez en position allongée. Voilà, je vous remercie pour ce moment partagé ensemble. Et en attendant un prochain rendez-vous, je vous souhaite bon vent. À bientôt.